Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau colis, un nouveau Kickstarter que je viens d'avoir. Alors, il n'y a aucune information pour savoir lequel c'est. Il y en avait un qui devait arriver, mais il devait être envoyé à partir de vendredi. Donc là, on est lundi. J'ai un doute. Maintenant, il a pu être envoyé un petit peu avant, mais en fait, je n'ai reçu aucune notification par mail d'un colis envoyé, d'un numéro de suivi, rien du tout. Donc, bon, ça, c'est un peu la surprise. Au niveau colis, il est bien emballé. Ah, mis à part qu'il y a eu un petit coup ici. Enfin, un petit coup, un sacré coup, je sais pas ce qu'il y a eu. Donc, heureusement, il y a du papier bulle à l'intérieur. J'espère que la boîte n'a rien. Alors sinon, si c'est bien le Kickstarter que je crois, c'est un Kickstarter que j'ai fait début 2017, donc le 10 janvier, qui s'est terminé le 9 février, qui devait être livré le 1er novembre 2017, et donc on est le 14 mai. Donc bon, un petit peu, voilà, 6 mois de retard, un peu comme tous les Kickstarters en fait. Donc on va aller voir si c'est bien celui-là. En tout cas, niveau emballage, niveau scotch, ils ont pas lésiné. Du papier bulle. Et non plus, donc c'est bien celui que j'attendais. Alors c'est un peu un caisse que j'ai fait un peu sur un coup de tête, celui-là. Les figurines m'ont bien plu. C'est plus figurine un petit peu humoristique. Ah, c'est pas du Simone type jeu avec des monstres sanguinolents ou des zombies, etc. C'est un jeu peut-être un petit peu plus pour les enfants. Et d'ailleurs, donc il s'agit de Alchemy Crystal Quest. Donc les règles du jeu, donc il est en multilingue, donc en français. On a une boîte avec tous les Kickstarter add-ons. Oula. C'est tout petit. Alors ça, c'est quelques petits trucs que j'ai pris en plus. Je sais même plus ce que c'est d'ailleurs, peut-être que je re-regarde. Je crois qu'il y a des, voilà, il y a des petites peaux de banane. Après, ça, c'est les petits tokens avec qui pourront me servir dans d'autres jeux. C'est bien, des petits cœurs et des grimoires. Voilà, on a la grosse boîte du jeu. Alors, la boîte, elle pèse bien. Elle est bien bien costaud. Donc, Alchemical Crystal Quest de Mystical Games. C'est bon, au niveau, la boîte n'a rien eu. Donc avec, voilà, 137 figurines à l'intérieur, 250 cartes, j'ai du sleeve encore à faire, et pour un jeu multijoueur. Donc voilà, un beau petit colis. Franchement, déjà, la boîte n'a rien et nickel. On va ouvrir ça au fur et à mesure. Les règles, les petits sacs avec les tokens. Donc voilà, donc un petit Kickstarter, en tout cas qui a l'air
super joli, et donc bah, à découvrir au fur et à mesure sur ma chaîne. Donc je vous dis à tout à l'heure.